vocal, plus les deux renforts. Ah ouais, c'est carrément creusé dans la bouche. Ça part dans tous les sens. C'est immense. Encore, ça m'a l'air d'être des cubes à eau. Ouais, il y a des grandes galeries. Hein. On commence à droite. Ils ont pas fait un revêtement béton. Là, ça avait l'air d'être la réserve de bois, de chauffer au bois. Et là, il y a encore les réserves de charbon. Il y a encore pas mal de ferraille. Hein. Des tôles. Ils ont fait aucun revêtement. Hein. C'est tout dans la pierre. On dirait qu'il y a encore toute l'alimentation électrique. Hein. Ouais, c'est ça. On est obligé un peu de s'accroupir parce que c'est tout petit. C'est pas mal. Là, ça devait être les lits. Ouais, c'est les lits. Et il y avait pas mal de monde hein, dans ce bunker. Il y avait pas mal de monde, plein de lits superposés. Ici. On dirait qu'il n'a pas été terminé. Ouais, là, j'ai l'impression qu'on arrive sur un deuxième poste d'observation. Avec encore la boulotte à Brunel. Même principe. Et puis une autre fenêtre. Donc on va remonter ici, parce qu'avant on était juste là, on a fait les deux postes d'observation, et on va remonter les galeries ici. Ouais, c'est un, bah, comme ils n'ont pas mis un revêtement béton, c'est normal qu'il y ait de la roche qui soit tombée. Quoi. Donc on reprend ici, où on a un tas de bois, qui a dû prendre l'humidité, et puis ici il y a l'air d'avoir une échelle. Alors, est-ce que ça mène à la coupole d'observation? Ah oui, d'accord. Là, on est bien à 10 mètres sous terre. Donc ici, en fait, on a une usine. Parce que sur les plans qu'on a trouvés de l'époque, ça serait une usine. Ici, ça serait une cheminée. Et puis là-bas, vous avez la réserve de charbon. Un tas de charbon, parce qu'il chauffait uniquement au charbon. Peut-être qu'il y avait tout un revêtement en tôle en fait. Et là, il y a bon, encore des anciens... Des anciens... Bah ouais, des anciens... Donc on reprend ici, à l'intersection, où ici on avait l'entrée, et puis cet escalier, et là il y a l'usine, donc on va continuer tout le long. On va commencer par la droite, apparemment on est rentré par l'essieu, il y aura une autre entrée principale. Et la droite, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Le moment que vous attendez tous, la montée des marches.
Donc apparemment ici, ça serait l'entrée principale. Effectivement, on l'avait loupé tout à l'heure. Il y a une échelle qui descend ici. On a un petit poste. D'accord. Et ici, on a l'entrée principale. D'accord. Ah bah ici, il devait y avoir le pavillon. Et on arrive, d'accord, on arrive de l'autre côté. Sur la sortie. Avec l'Italie qui doit être dans cette direction. Ici, on devait avoir donc l'entrée principale. C'est ici qu'on aurait dû rentrer tout à l'heure. Et puis, le poteau, ça devait être l'arrivée de l'électricité. Exactement. Et puis ici, bah, on est sur le col de l'appareil, qui est un lieu stratégique, d'où l'implantation de ces bunkers.